Décision fort attendue par beaucoup de Canadiens euh, ce matin, alors que la Banque du Canada décide de maintenir son taux directeur, fixé toujours à 5 Olivier, donc, on marque par contre un changement dans le langage euh, quand on explique la décision. Ouais, on, on ouvre une porte, là, Michel, à une éventuelle baisse de taux dans la prochaine année. Or, malgré plusieurs tentatives auprès du gouverneur de la banque ce matin, on n'a pas voulu dire de date, de calendrier ou même de donner un moment approximatif dans l'année où on pourrait commencer à baisser ces taux directeurs-là. Euh, ce ce qu'on se contente de dire, Michel, euh, c'est que les hausses de taux ont eu leur effet sur l'inflation et surtout sur euh, l'offre et la demande. Donc, euh, l'offre a rattrapé la demande, ce qui fait en sorte qu'on n'a plus besoin euh, de hausser les taux. Maintenant, la conversation, c'est de savoir quand on pourra les descendre, combien de temps il faudra les maintenir à 5 pour une quatrième fois. Donc, encore une fois, aujourd'hui, ce qui a été annoncé. Oui, une morosité et, euh, et les plans d'investissement sont pas là. Alors, dans ce contexte-là, cette morosité, il va falloir la, la, la fouetter un peu pour qu'on décide de, de prendre des, des risques. Et, et c'est pour ça que les taux d'intérêt vont baisser plus tôt que tard. Donc, Michel, vous venez d'entendre la sénatrice et économiste Diane Bellemar qui commentait la situation économique parce qu'on a aussi publié euh, un rapport et des prévisions concernant la croissance. On dit que ça va être tout près de 1 à la fin de l'année, mais que ça va être encore au ralenti pour le début de l'année et qu'en 2025, euh, on devrait voir une croissance autour de 2,5 Donc, un certain optimisme, malgré justement l'économie qui tourne au ralenti, entre autres présentement à cause des taux d'intérêt qui sont élevés. Merci, Olivier.